Donc il manque encore pas mal de personnes qui sont à la chorale, donc ils vont avoir du retard. Ils prendront la séance en cours de route. Je suis heureux de vous accueillir dans cette résidence Carrefour, qui est toujours aussi magnifique. Voilà, avant de passer au buffet, nous allons aborder un sujet qui est important pour la commune de Bandol. Quelle intercommunalité pour Bandol, du fait de la réforme territoriale? Tout d'abord, deux questions. Est-ce que vous savez plus ce qu'est la loi du 16 décembre 2010? Non, il y a des hochements de tête. Plutôt négatif. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le SDCI, schéma départemental de coopération intercommunale? Moyen. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer ça de manière la plus simple possible, en sachant que c'est un sujet quand même pas si facile que ça. En gros, il s'agit de savoir si Bandol doit rester dans la communauté de communes de Sud-Sainte-Baume, nous y sommes en ce moment, ou si Bandol doit rejoindre la communauté d'agglomération TPM, Toulon, Provence Méditerranée. Voilà. Donc, ensuite, je donnerai la parole, dans un premier temps, à M. Eck, que je vous présente, qui est procureur de la République, près la cour d'appel de Sud-Sainte-Baume. Il sera chargé d'attaquer le schéma du préfet. Et ensuite, Maître Rollier, avocat au barreau de TPM. TPM, c'est les initiales de Toulon prend la monnaie. Ou alors, tout pour moi. Bon, vous verrez que la situation n'est pas si simple que ça. Voilà, donc je salue la présence de Christian Viala, qui prend quelques photos et peut-être une vidéo. Et je vous précise une chose importante. Dans quelques jours, je publierai sur le site de notre site de VVB, vvbandol.fr, une note assez complète, explicative, sur les enjeux de cette.